C'est maintenant au tour de la camomille de rentrer dans mon carnet de croquis. Une petite plante très jolie que j'aime beaucoup, aussi en tisane, et que j'ai dessinée sur ce carnet, donc d'abord au crayon de papier, et vous me voyez après reproduire, mais aussi choisir un petit peu les fleurs qui vont rester, les feuilles qui vont rester en fonction de la composition que je veux donner, l'allure générale que je veux donner à ces petites camomilles. Alors, je voulais faire un croquis assez léger, puis finalement je me suis embarquée dans quelque chose d'un peu plus foncé, d'un peu plus noir. Hein, mais je pense que vu le résultat final, c'est plutôt une bonne idée. Donc là, je dessine les boutons et les fleurs. Et ensuite, je vais dessiner tout ce qui est feuilles. Pareil, elles vont être assez tranchées, elles vont apparaître assez noires. Les feuilles, finalement, je les ai faites comme ça. Peut-être pour trancher inconsciemment, pour me dire que ça va trancher plus avec les fleurs blanches. Peut-être, c'est fort probable, mais c'est vrai que j'aime beaucoup l'encre et j'ai tendance des fois à faire des dessins à l'encre plus... plus fort, même quand je sais que je vais passer à l'aquarelle. Puis bon, de toute façon, c'était mon carnet de croquis, alors j'y vais à fond. Hein. Voilà, j'y vais à fond. Et puis, donc, on continue là le dessin des feuilles. Une fois le croquis fini, je gomme tous mes traits au crayon graphite. Ensuite, je regarde ma palette pour savoir un peu quelle couleur je vais utiliser. Souvent, je prends le vert de vessie, c'est vraiment un vert magnifique. Donc, c'est certainement. Enfin, je vais utiliser celui-là. Et puis en jaune, je prends souvent le gomme-gut.
Et là, je vais prendre aussi le jaune citron. Voilà, qui se marie forcément très bien avec le vert de vessie, qui est un vert chaud. Et c'est hyper, hyper intéressant et hyper intéressant de travailler. Prépare à passer à l'aquarelle, donc je prépare deux petits pots, un pot pour les eaux sales et un pot pour les eaux claires, c'est-à-dire que il y a le pot dédié pour vraiment nettoyer le pinceau qui est gorgé de pigments et une deuxième eau que j'appelle l'eau claire, qui permet donc ensuite de nettoyer vraiment le pinceau pour qu'il n'ait plus de couleur. Je sors ma palette, je choisis mes pinceaux, je vais choisir un pinceau à la vie mais pas très grand, et puis deux autres pinceaux de tailles différentes, un pour faire les très fins pour faire les détails et l'autre un peu plus gros pour le reste. Le focus ne se fait pas. Mais bon, vous avez compris l'idée. Je vais définir mon papier, tout d'abord, avec le pinceau à la vie. Par les aquarelles en pulvérisant un spray d'eau sur ma palette pour humidifier les godets. Je commence tout doucement à appliquer la couleur verte, donc le fameux vert de vessie qui est un vert exceptionnel pour les feuillages, je trouve. Donc l'eau, le papier, comme le papier est mouillé, le pigment se diffuse de façon plus ou moins aléatoire. Et c'est, vous savez que j'adore ça, donc je suis en train de chercher quand même légèrement à contrôler le pigment, mais j'aime bien être surprise par la direction qu'il prend. Que le papier n'est pas assez humidifié sur les côtés parce que le verre ne se diffuse pas en bas de la page. Donc je reprends mon pinceau à la vie, gorgé d'eau claire, justement de l'eau propre, et puis je remets de l'eau là où je veux que le verre se diffuse. Je passe donc au jaune, j'applique d'abord le gomme gut qui est un jaune très chaud, entre, bon, ça reste du jaune mais ça tire vers l'oranger, donc j'utilise un petit pinceau pour faire le cœur de la fleur, et en même temps, donc juste après, donc je fais ça sur le gomme gut, je le mets vraiment sur le rebord intérieur de la du cœur de la fleur, et j'applique le jaune citron au-dessus, vraiment en haut du cœur de la fleur, et puis donc les effets de l'eau me permettent d'avoir des fois des petits jaunes qui partent, qui s'échappent du cœur, et je trouve ça assez sympa. Ce n'est pas tout à fait sec mais ça a un petit peu séché.
C'est un papier à cellulose classique, donc ça sèche assez vite. Et donc là, j'en profite pour refaire un petit peu tous les feuillages de façon un peu plus précise, mais en même temps, avec le reste des effets d'eau, ne pas avoir quelque chose qui peut être fondu par endroit et précis d'un autre. Ici, vous voyez, je peins assez vite et puis ça fait des beaux petites ombres en fait. On a les feuillages qui sont noirs, rehaussés par un peu de vert et en même temps en dessous on voit un vert de plus foncé, plus clair et de plus en plus clair qui font comme une ombre et qui me permettent d'avoir une richesse dans le feuillage et une richesse dans le fond puisque le fond à la base était juste un lavis. Et donc là, ça permet de définir un petit peu le fond du feuillage de la camomille. À créer des feuillages à l'aquarelle en hauteur, à dépasser du bord que j'avais déjà créé pour créer un fond aquarellé plus structuré que ce qui a été fait au départ. Je trouve que ça rend bien le côté foisonnant de la camomille. Je vais maintenant m'attaquer aux projections de peinture. Donc je prends mon pinceau le plus gros, mais pourtant pas le pinceau à lavis, hein, parce qu'il ne faut pas non plus qu'il soit trop gorgé d'eau. Donc je le charge en pigments et je teste un petit peu sur la palette pour enlever les premières gouttes qui peuvent être très grosses. Et ensuite, je peux aller sur ma feuille et faire des petites projections jaunes pour apporter un petit peu de mouvement. Ensuite, je nettoie bien mon pinceau pour passer, aux autres couleurs. Voilà le résultat des projections, donc du vert de vessie et du jaune. Voilà donc le résultat final. Je vous montre un peu plus en gros plan le détail de tous les traits de pinceau et des projections.
Et voilà pour les camomilles à l'aquarelle dans mon carnet de croquis. On passe à la suite et aux petites balades. Passe ensuite au coloriage du mandala que je vous offre avec votre inscription à la newsletter. C'est toujours d'actualité, hein, ça reste pendant quelques temps. Je ne sais pas encore combien de temps, mais je vous offre ce mandala donc sous forme de fichier PDF à télécharger et que vous imprimez ensuite de chez vous. Là, je l'ai imprimé moi-même. Pour faire mes tests, hein, j'aime bien tester toujours avant de vous faire quelque chose comme ça. Je l'ai imprimé sur du papier 160 grammes, donc un papier à dessin plutôt classique. Et je le colorie avec les crayons aquarellables, ben là, c'est la marque Faber-Castell. J'utilise trois couleurs, un jaune citron, un vert pâle et un vert foncé. Donc je colorie tout le mandala avec ces trois couleurs alternées, ça donne ça. Là, vous me voyez passer l'eau, donc passer finement l'eau sur ce mandala. Alors, passer finement hein, parce que le papier c'est du 160 grammes et du coup il faut pas que ce soit non plus imbibé d'eau énormément. Le papier qui est le plus résistant à l'eau, c'est avec un grammage épais. Hein, c'est minimum 300 grammes, hein, on en est loin. Donc je vais avec un pinceau très fin et avec très peu d'eau pour juste faire que la couleur se fonde. Parce que comme ça, on ne voit plus les traits du crayon. On va voir ça un petit peu plus tard dans les images qui vont venir. Dans ces images que j'ai prises d'un peu plus près, vous voyez bien la différence. Donc là, avec l'eau, je fonds la technique. Justement, je mets... Alors, c'est pas forcément la meilleure méthode, mais moi, pour enlever l'eau du pinceau, je l'essuie sur ma main. Donc c'est comme ça, j'ai une habitude, je peux pas m'en empêcher, allez hop, on y va, alors que j'ai des mouchoirs et des sopalins partout, hein. Mais bon voilà, donc je mets un petit peu d'eau pour fondre la couleur, et ce qui a été crayonné c'est en bas, vous voyez là, et ce qui a été mis à l'eau, vous voyez la différence en haut, voilà, c'est tout le charme des crayons aquarellables. Fini là de mouiller tous mes traits de crayon aquarellable sur le mandala, donc ça me prend quand même un certain temps. J'ai mis un petit peu
en accéléré pour que ce soit un peu plus facile à regarder. Donc je vous laisse avec les 2-3 minutes qui ne reflètent pas la vitesse réelle, mais en tout cas qui permettent de voir un petit peu comment je procède. Je vous laisse donc avec les images et on se retrouve après pour une autre petite balade.